Manifestation culturelle, m'a dit un policier. Le pont d'Arcole. Entouré de grilles, des policiers qui les y mettent, jusqu'à l'autre pont Notre-Dame. C'est sur ces quais que ces festivités auront lieu. Le pont est interdit de ce côté-là. Thank you.
politique de blanchiment de l'État d'Israël. Paris, Paris mérite beaucoup mieux que de se jumeler avec la capitale d'un État terroriste. Paris mérite de se jumeler avec Gaza, par exemple, ou avec Ramallah. Des villes pacifiques, mais pas avec la capitale d'un pays qui, tous les 3 ans, envahit un de ses voisins, commet des massacres, des crimes contre l'humanité, et pour lequel, apparemment, il y a une impunité totale. Nous sommes là pour dénoncer cette impunité, pour dénoncer la mairie de Paris, pour dénoncer Madame Macron, qui a décidé cela sans même prendre l'avis de ses partenaires de sa majorité, sans même prendre l'avis des Parisiens. Et du coup, les Parisiens, sans le vouloir, sans le savoir, se retrouvent complices d'un État criminel. On boycotte qui ? Israël ! On soutient quoi ? BDS ! Gaza ! Gaza ! Paris est avec toi ! Gaza ! Gaza ! Paris est avec toi ! Gaza ! Gaza ! Paris est avec toi ! Deuxième solution, il va être fait l'usage de la force ! Maintenant, on vous propose de se retrouver. On a dit ce qu'on avait à dire. Ce qui s'est passé est scandaleux, c'est une insulte. On m'insulte au massacre de Gaza, où Israël a assassiné et a massacré plus de 2500 personnes, dont 550 enfants ! Gaza ! Gaza ! On n'oublie pas ! Nous sommes encerclés par la police. Il n'y a plus un trou pour pouvoir sortir. Allez voir le commandant qui est là-bas. Ah.